d'abord vous souhaiter la bienvenue, en particulier à ceux qui ne sont jamais venus dans cette maison. Vous souhaitez la bienvenue au nom de la Société des études saint-simoniennes qui a l'honneur, l'avantage d'avoir son siège social ici et surtout de pouvoir tenir ses réunions régulières de séminaires et des réunions comme celle-ci dans ces salons magnifiques de l'Arsenal. Je voudrais tout particulièrement, je ne peux pas l'approcher plus parce que le film est contraint, mais ce n'est pas un problème, je pense que vous m'entendez suffisamment quand même. Je voudrais saluer Monsieur le directeur de l'Arsenal, M. Bruno Blassel, avec qui nous entretenons des rapports de collaboration, de coopération et d'amitié particulièrement remarquables, et qui nous fait le privilège de nous accueillir, de nous autoriser à organiser des réunions dans ces salons, ce qui n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes techniques, d'organisation, surtout en ces temps de Vigipirate en particulier. Donc ce sont toutes ces contraintes que malgré tout vous acceptez d'enfreindre ou de dépasser pour nous accueillir. Merci infiniment, Monsieur le Directeur, au nom de tous les assistants de cette réunion. Je n'en dis pas plus et je donnerai la parole ensuite à Philippe Régnier et à Madame Rita Rioulot qui préside la séance de ce matin. Voilà, un tout petit mot pour vous remercier de ces quelques mots et pour vous dire qu'en effet, c'est un peu la maison des études saint-simoniennes. Un petit peu pour vous, vous êtes peut-être ressort, voilà, vous êtes ici chez vous. Et pour vous dire que ces difficultés techniques, en effet, ou d'organisation existent, mais qu'elles trouvent toujours une solution, que nous comptons bien continuer à toujours en trouver. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et merci, monsieur. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons donc devant nous encore une journée dont je dois dire que l'intitulé est déjà immédiatement extrêmement stimulant. Saint-Simon, Comte et la route Beuse. Et je voudrais encore remercier très vivement les organisateurs de ces journées de nous offrir un programme aussi intéressant et puis remercier aussi bien sûr nos hôtes dans cette maison. Donc nous allons immédiatement commencer avec Philippe Régnier qui est directeur de recherche au CNRS et directeur de l'équipe LIR et secrétaire général de la Société des études saint-simoniennes et dont l'intimité avec Saint-Simon est très très grande. Il a publié un nombre d'ouvrages impressionnants à titre personnel et puis aussi des éditions de textes et des ouvrages collectifs extrêmement importants. Je précise aussi que Philippe Régnier est actuellement le secrétaire général de la Société des études saint-simoniennes. Et le titre de la communication, « Les saint-simoniens en quête de religieux ». Et le saint-simonisant aussi, tel que je vous l'expliquerai. Je ne suis plus simplement directeur de LIR depuis le début de cette année, et j'avoue en être très content, mais simplement de la nouvelle unité qui se crée, l'IRIM, à Lyon, donc. Voilà. Et par ailleurs, je parle aussi au nom du projet Saint-Simonisme 18, projet ANR 18-21, Saint-Simonisme 18-21, qui a été créé donc à partir de la rentrée dernière et qui va se développer et qui compte bien apporter sa pierre au travail sur les reconfigurations religieuses. Alors je disais saint-simonisant en quête de religieux aussi parce que au début de mon travail, il y a bien longtemps, la religion et le religieux n'étaient pas mes préoccupations premières et au contraire, je dirais, mon problème était plutôt de trouver ce qu'il y avait sous le religieux, sous la religion, qui me paraissait une sorte de déguisement. Et d'ailleurs, j'avais des raisons de le croire, parce que Enfantin lui-même, au début de son rapport avec le saint-simonisme de Saint-Simon, écrivait dans une lettre à quelqu'un de sa famille que le nouveau christianisme de Saint-Simon lui paraissait quelque chose comme un passeport présenté au vieil ganache catholique. Donc, on pouvait supposer que la religion de Saint-Simon manquait de sincérité pour le moins. Hein? Et, en fait,
on s'aperçoit très rapidement en pénétrant dans les textes qu'il est très difficile de se débarrasser, comme on le souhaiterait parfois, d'une pesanteur religieuse considérable, et que c'est une erreur méthodologique que d'essayer de le faire. Mais les contemporains eux-mêmes avaient du mal à appréhender la chose. Et je voudrais, pour commencer, citer Victor Hugo en personne, qui, en octobre 1830, notait dans des papiers personnels ceci qui a été publié par la suite. Octobre 1830, donc on est juste après la Révolution de juillet, mais le saint-simonisme ne s'est pas encore emparé du journal Le Globe, hein, et commence seulement à être quelque chose d'un peu public sur la scène politique. Donc Victor Hugo est bien informé. Avec beaucoup d'idées, beaucoup de vues, beaucoup de probité, les saint-simoniens se trompent. On ne fonde pas une religion avec la seule morale. Il faut le dogme, il faut le culte. Pour asseoir le culte et le dogme, il faut les mystères. Pour faire croire aux mystères, il faut des miracles. Faites des miracles. Soyez prophète, soyez Dieu d'abord, si vous pouvez. Et puis, après, prêtre, si vous voulez. Eh bien, c'est presque le programme du mouvement saint-simonien que Victor Hugo écrit de cette manière, un mode d'emploi. Parce qu'effectivement, c'est ce qui va se passer, y compris l'incarnation de Dieu, hein, y compris les miracles, y compris la prophétie, y compris le dogme, y compris le culte. Dans les mois qui vont suivre, particulièrement donc en 1831. Alors le saint-simonisme, qui est aussi un mouvement politique, se présente également comme une église. Il est à la fois le parti social des travailleurs, selon le titre d'une prédication de Laurent de l'Ardèche, qui a été le directeur de la bibliothèque de l'Arsenal sous Napoléon III, et il est une église nouvelle, l'église du nouveau christianisme. Donc d'un certain côté, et c'est dans ce sens-là que j'avais travaillé en premier, c'est une sorte de premier parti de masse moderne, à échelle nationale, un parti extra-parlementaire, hiérarchisé, organisé, ouvert au peuple et aux femmes, doté d'un siège central, d'un système de propagande, de journaux militants qui portent sa parole officielle, bref, une sorte de parti de l'international avant la lettre. Hein, tout complet. Mais c'est aussi un parti qui signe Religion de Saint-Simon, toutes ces brochures, en escamotant bien souvent le nom des auteurs même des textes. Hein, quand on regarde dans les collections de l'Arsenal, ici, lorsque les brochures sont d'origine, lorsque les reliures sont d'origine, que voit-on? On voit au dos « Religion de Saint-Simon » ou sur la page de titre. Et bien souvent, pas de nom d'auteur, pas de nom de personne. Il y a un effacement de l'individu très caractéristique donc de la religion et singulièrement peut-être des habitudes catholiques. Alors, il faut retracer dans un premier temps l'évolution vers la formation religieuse, hein, donc c'est ce dont je vais parler en premier. Ensuite, il faut essayer de caractériser le saint-simonisme comme religion, hein, par rapport à l'histoire, par rapport à ce qui existe dans le contexte de l'époque. Et puis, ça sera peut-être la partie, bon, je vais répéter des données qui sont peut-être pas connues de tout le monde, en les présentant peut-être d'une manière un tout petit peu originale, mais surtout, je voudrais cette fois mettre l'accent sur les pratiques. Et donc, je suis allé regarder dans un volume qui a été mis à part par les saint-simoniens, qui recueille un ensemble de professions de foi. Hein, et donc, dans la troisième partie, je donnerai la parole aux saint-simoniens et aux adhérents. Et donc, vous aurez la possibilité de rencontrer quelque chose de vivant, hein, à travers les textes manuscrits qui sont conservés.
Alors, au début, comme je vous l'ai dit, les Saint-Simoniens, d'après Saint-Simon, qui meurent en mai 1825, ont du mal à passer de ce qu'ils appellent la philosophie ou la philanthropie, c'est un peu plus la philanthropie que la philosophie, à la religion. C'est-à-dire, ce sont des philosophes, mais qui insistent, comme beaucoup de contemporains, sur la morale, hein, Hugo l'a très bien remarqué, et particulièrement sur la morale chrétienne. Un thème central du nouveau christianisme de Saint-Simon, c'est qu'il faut refonder le christianisme sur la morale, et particulièrement en visant la classe la plus nombreuse. Donc les Saint-Simoniens se présentent comme des philanthropes, ce qui après tout ne les distingue pas énormément de la société de la morale chrétienne ou de la philanthropie à l'anglaise ou même du XVIIIe siècle. C'est sur cette base-là qu'ils se présentent au monde dans leur premier journal, qu'ils ne signent pas d'ailleurs en tant que Saint-Simoniens, qui se cachent de leur appartenance, qui s'appelle le Producteur. Qui est un journal qui commence tout de même à rompre des lances avec le libéralisme. Hein, ce qui fait la marque idéologique du Producteur, c'est l'anti-libéralisme, ou comme ils disent, l'illibéralisme. En particulier, une polémique que lance Saint-Amand Bazard, ancien chef de la charbonnerie, laquelle comporte une dimension religieuse, on s'en souvient, une polémique contre Benjamin Constant sur le thème de la nécessité d'une nouvelle doctrine générale. Ce qui fait bondir Benjamin Constant, lequel, en s'abstenant de nommer les Saint-Simoniens, dénonce une tentative pour reconstituer les prêtres de Thèbes et de Memphis, et quelque chose qui est attentatoire à la liberté de conscience. Ce qui certainement commence à désigner le saint-simonisme comme une résurgence beaucoup moins du protestantisme que du catholicisme. Hein. Et d'ailleurs, le thème de l'imitation de la réhabilitation du Moyen-Âge et de l'organisation médiévale est un thème central dans toutes les interventions publiques de Bazard. Il y a quelque chose comme un néo-catholicisme dès le Producteur. Mais il n'est pas question à ce moment-là de religion. Hein, il est simplement question de dévouement, il est question de collectisme aussi. C'est un mot qui est emprunté à un chirurgien, je dirais, crypto-républicain de Lyon, qui s'appelle Amar, et qui a écrit un livre pour défendre l'idée selon laquelle la science devrait fonctionner de manière beaucoup plus collective parce que l'intelligence humaine est une intelligence collective. Et il y aurait une faculté, au sens quasiment neurologique du mot, propre à l'homme, qui serait le collectisme. Et c'est l'ancêtre, alors pour chez les Saint-Simoniens, ce mot va fonctionner comme l'exact synonyme de socialisme. C'est-à-dire c'est une sorte de capacité naturelle, hein, spontanée, mais à cultiver tout de même, de l'homme à faire prévaloir le collectif, la dimension collective, l'intérêt collectif, le but collectif sur la personnalité. Hein, et c'est le mot qui est employé dans les textes aussi. Ça n'est pas l'égoïsme, c'est la personnalité ou l'intérêt individuel. Hein, donc, et saint-simonien appartient à l'école de Saint-Simon, celui qui fait prévaloir le collectisme et qui a un sens élevé contre les libéraux, hein, du but collectif de l'activité. La religion ne se fonde en réalité que 4 ans plus tard, en 1829, et au terme d'une évolution qui, en gros, est une assimilation du nouveau christianisme. Porté, il faut bien le noter, par un personnage dont on parle trop peu, qui est Olin de Rodrigue. Olin de Rodrigue, c'est un juif émancipé, hein, séfarade, d'origine bordelaise, qui entraîne avec lui les Pérettes, Émile et Isaac, hein, notamment,
mais d'autres aussi. Il n'est certainement pas pour rien dans la venue au Saint-Simonisme du disciple d'Auguste Comte, qui est alors Gustave Eiffel. Et c'est un mathématicien qui, pour, dit-on, des raisons religieuses, mais ce n'est pas tout à fait sûr, s'est tourné vers le métier de sa famille, c'est-à-dire la banque. Hein, et il est le directeur de la Caisse hypothécaire, nouvelle institution bancaire d'État, et il y a engagé Enfantin, son ancien élève, en mathématiques. Et il donc a soutenu Saint-Simon dans les dernières années de sa vie, il a été son sponsor en quelque sorte, hein, à telle enseigne que Saint-Simon lui a confié, et son disciple, hein, à telle enseigne que Saint-Simon lui a confié la rédaction de la préface du Nouveau Christianisme. Alors, ni le Nouveau Christianisme ni la préface ne sont signés, mais tout le monde sait, dans le petit cercle où fonctionnent ces gens-là, que Saint-Simon est l'inspirateur, sinon le rédacteur du Nouveau Christianisme, et Colin de Rodrigue, donc, est son secrétaire dans cette affaire. Colin de Rodrigue, un juif émancipé. Et donc, en 1829, rejoint par toute une série d'anciens charbonniers, dont Bazard est le chef de file, Laurent est charbonnier, Duché est charbonnier, hein, ces gens qui, a priori, n'étaient pas faits du tout pour fonder une église. C'était des voltairiens, des libéraux, des libéraux plus libéraux que les libéraux. Hein. Donc, ils auraient dû être plus anti-religieux, ils auraient pu être plus anti-religieux que la plupart des libéraux. Sauf que les libéraux à cette époque, tout de même, sont très religieux si on regarde Benjamin Constant. Eh bien, ils font un acte qui n'est pas non plus protestant, ils se choisissent un pape et ils se fondent une hiérarchie. À la Noël de 1829, donc, Olin de Rodrigue consacre deux hommes, bon, c'est un pape bicéphale, Bazard et Enfantin. Et les premiers, leur entourage immédiat, on prend l'habitude de les nommer pères. Donc ce sont des pères. Les pères suprêmes sont Enfantin et Bazard. Le premier entourage, ceux qui ont participé à la fondation, s'appellent simplement père. Et en dessous, on est frère, sœur, et très vite, il y a une mère qui se trouve être la femme de Bazard, puisque on pose en principe l'égalité des sexes. À partir de là, on va ouvrir quelque chose qui ressemble au début à un cours public, hein, comme ces cours que les uns et les autres ouvraient sous la Restauration, à une époque où l'université était quelque chose de très marginal, ou comme les cours, au contraire, universitaires et mondains que donnaient à la Sorbonne des personnages comme Victor Cousin, ou Ampère. Ce cours va s'appeler assez vite l'exposition de la doctrine de Saint-Simon. C'est repris d'un titre de Bossuet, hein, et le terme de doctrine fait franchir une petite étape supplémentaire, parce que qui dit doctrine dit quelque peu un ensemble de vérités, cordes d'idées, ensemble d'idées validées par une collectivité, et en lien avec quelque chose comme un dogme. Donc c'est la doctrine générale que Bazard appelait de ses voeux dans le producteur. 1830 amène une grande affluence à l'exposition de la doctrine. Les petites salles dans lesquelles se tiennent les réunions explosent, et il faut louer une salle à l'Athénée, en droit protestant, qui accueille donc les conférences. Et après, il faut même passer à l'échelle supérieure, louer une salle de concert qui se trouve rue Taitbout,
c'est du côté du passage Choiseul à peu près, hein, qu'on va appeler le temple, et dans lequel il va y avoir grande exposition tous les dimanches, sur invitation avec une petite carte, et on invite des célébrités, Michelet sera invité comme ça, Victor Hugo sera invité, à assister à des cérémonies, hein, où les Saint-Simoniens se présentent à la tribune, entourant leurs deux pères suprêmes, et à partir d'un certain moment, habillés de bleu. Ils portent un habit bleu. Hein, alors l'habit de l'époque, c'est l'habit noir, l'habit bourgeois, il n'y a plus de couleurs dans les rues. Et eux se distinguent par un habit qu'ils disent sacerdotal et qui traduit leur engagement, qui est bleu, plus ou moins foncé, selon le degré dans la hiérarchie. Et on disait couramment porter l'habit bleu pour dire être saint-simonien. Sainte-Beuf, par exemple, a porté l'habit bleu. L'Herminier, au Collège de France, a porté l'habit bleu. Et on s'en souvenait longtemps après. On organise des enseignements, je dirais, spécialisés, à destination des polytechniciens, à destination des médecins, à destination des ouvriers, hein, le public étant assez hétéroclite, ou à destination des femmes. Et donc, après avoir posé les deux pères suprêmes au sommet de la pyramide, on établit un collège, ce sont ceux qui entourent donc les deux pères suprêmes, ayant tout de même un conseil privé, hein, ça rappelle un peu Louis XIV. Ensuite, il y a un premier degré, un deuxième degré, et puis devant l'affluence des ouvriers, on finit par créer un degré des ouvriers. On appelle un degré des industriels, pour commencer, qui se trouve être dirigé par une femme, par la mère, par Claire Bazard, parce qu'on pense qu'elle est plus apte que son mari. Il faut dire que son mari est un personnage quasi militaire, hein, Bazard, dans son comportement politique, il avait des habitudes de conspirateur. C'est la mère Bazard qui dirige l'enseignement des ouvriers, assistée de Cécile Fournel, femme de l'ingénieur polytechnicien Henri Fournel. Hein, sont deux femmes donc qui accueillent les ouvriers. Et puis les ouvriers, ben, ils viennent avec un certain nombre d'espoirs, et on se met petit à petit à imaginer de leur faire l'équivalent de ce qui commence à fonctionner pour les dirigeants, c'est-à-dire une sorte d'institution familiale. Les dirigeants, en achetant le globe, s'installent tous dans l'hôtel particulier de la rue de Gèvres, hein, rue Monsigny, et mettent en commun leurs biens. Donc, ceux qui sont mariés viennent avec femme et enfants et vaisselle, on apporte ses économies, on apporte ses livres, ceux qui sont célibataires apportent même fois ce qu'ils ont, et tout ce monde vit en commun, partage des repas. Hein. Certains jours, on accueille le public et on organise des bals où on distribue les brochures. Il y a donc comme ça à la fois une vie communautaire qui se développe, qui se ritualise, hein, et puis une ouverture à l'extérieur pour montrer la communauté. Et au niveau des quartiers de Paris, donc, à la fin de 1831, hein, ça se passe en gros à l'automne 1831, pendant que les canuts se révoltent à Lyon, eh bien, on commence à créer des maisons d'association avec des directeurs par arrondissement. Hein, et ce sont des communautés à la fois de vie, de ménage, c'est-à-dire on met en commun les casseroles, les enfants, on garde les enfants ensemble, mais ce sont des communautés productives aussi. Ce sont souvent autour de tailleurs, par exemple, hein, autour de cordonniers, enfin de petits métiers d'artisans, c'est pas la grande industrie. Hein. Donc l'idée est aussi de partager une production, de produire mieux et ensemble. C'est à ce moment-là que survient une crise politique. Alors une crise d'orientation, parce que qu'est-ce qu'on fait par rapport au canut de Lyon, hein, qu'est-ce qu'on fait à terme pour transformer en mouvement politique cette église? Est-ce qu'on va présenter des candidats à des élections? Et puis, il y a une grosse difficulté qu'Enfantin monte en épingle à des fins de prise de pouvoir. C'est la question des femmes.
que dans cette communauté, certains sont mariés, d'autres pas. Le père Bazar est marié tout à fait officiellement, sa femme est la fille d'un évêque, d'ailleurs, mais il est marié devant la loi, au moins, je ne sais pas s'il est marié devant l'Église. Enfantin ne l'est pas. Il a une liaison clandestine dont il, avec un fils dont il ne dit rien du tout, du moins dans le cercle des Saint-Simoniens. D'autres veulent convoler, enfin, un certain Charles du Verrier a très envie de prendre maîtresse ou femme, mais c'est une comédienne et Claire Bazar trouve que c'est un petit peu juste pour faire une femme de prêtre saint-simonien. Ça pose un problème. Puis, il se passe des choses comme dans toute communauté humaine, c'est-à-dire qu'il y a des relations extra-conjugales. Et il se trouve qu'Enfantin apprend que Claire Bazar elle-même entretient une relation adultère avec l'un de ses fils. Problème. Comment la femme du pape, la mère, peut-elle avoir une vie irrégulière? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de l'adultère? Qu'est-ce qu'on fait de l'amour? Qu'est-ce qu'on fait des relations entre les sexes? Et donc, Enfantin, non seulement trouve qu'il y en a assez d'appeler à la lutte des travailleurs contre les oisifs, il faudrait peut-être prendre en compte davantage les banquiers les ingénieurs et les industriels. Et qu'il faudrait prendre en compte mieux une nature féminine et la question de l'adultère, de la prostitution des femmes. Et donc s'ensuit un psychodrame qui dure tout l'été, dans lequel il y a des crises d'hystérie. Pierre Leroux s'évanouit, paraît-il. Bazar, surtout, a ce qu'on appelle une attaque à l'époque, c'est-à-dire un AVC. Donc ça va très loin. Ça va jusqu'à la mort de Bazar à terme. En tout cas, il est abattu, paralysé physiquement, et Claire Bazar doit choisir entre son mari et Enfantin. Et Enfantin, qui ne veut naturellement pas d'elle, parce que même si les disciples voudraient qu'il la prenne pour compagne et pour mère, Enfantin a très bien compris que s'il franchit ce seuil-là, c'est la catastrophe immédiate. Et donc, Enfantin prend le pouvoir, il s'institue seul père suprême, mais il laisse en suspens la question de la femme en laissant le fauteuil à côté de lui vide. Et Claire Bazar se retire. Et donc, il y a toute une branche qui s'en va former une espèce de groupe saint-simonien républicain autour d'Hippolyte Carnot et de Pierre Loup. La fondation religieuse est du coup relancée avec un seul pape, et puis une nouvelle doctrine. Et cette fois, Enfantin dispense ses propres enseignements, avec sa propre morale, sa propre doctrine morale. Et donc, ça n'est plus seulement la religion de Saint-Simon, ça pose un problème, c'est aussi la religion d'Enfantin. Hein, et donc, le statut d'Enfantin change. Auparavant, le révélateur, c'était Saint-Simon, qui n'était plus seulement philosophe. Hein, c'était un révélateur aussi fort que Moïse, aussi fort que Numa pour Rome, et que le Christ. Mais maintenant, il va y avoir une identification très forte d'Enfantin à la personne du Christ. D'où, lorsque les moyens vont venir à manquer, l'idée de la retraite de Ménilmontant. Alors la retraite de Ménilmontant a été perçue par les contemporains comme une sorte de nouveau couvent, d'où la fameuse caricature des moines de Ménilmontant représentant les Saint-Simoniens en habit, bleu d'ailleurs, ce qui est une erreur par rapport à ce qui se pratique réellement. Le costume est devenu tricolore, hein, très nettement tricolore. Le nom est affiché sur la poitrine, c'est la fameuse institution du gilet qu'on boutonne dans le dos. On travaille de ses mains, c'est-à-dire qu'on frotte ses bottes, on cire ses bottes, on fait sa vaisselle, on taille le jardin soi-même, hein, on se passe de domestique, on se passe de femme, c'est-à-dire on institue la règle du célibat, même les hommes mariés se séparent de leur femme, hein, et les relations sexuelles sont strictement interdites, il y a des punitions s'il y a des infractions à la règle. Les repas sont beaucoup plus codifiés, hein, on institue des chants religieux
notamment un salut au Père. Et la personne du Père, ça me rappelle beaucoup ce que vous avez expliqué, que je ne connaissais pas hier, Madame Hervieux-Léger, l'exemple de Guéranger, enfantin devient nettement transcendant. Et on exige une foi enfantin, hein, dans ce qu'il dit. Il faut a priori croire enfantin, qui est devenu la loi vivante de tout le groupe, hein, qui s'appelle comme ça, il y a une théorie de la loi vivante. Chant religieux, cérémonie ouverte au public avec une grande affluence le dimanche, mais fermée le reste du temps. Simplement, eux ne s'appellent pas des moines, se voient plutôt comme des apôtres. Et leur retraite est une préparation à l'apostolat, c'est-à-dire à courir les routes ultérieurement. Pendant ce temps, se prépare le procès d'Enfantin. Et Enfantin cale les choses de telle manière que son procès, que la retraite de Ménilmontant et le procès et son emprisonnement apparaissent comme une sorte de martyrologue. Hein. Donc, compose une prière qu'il fait bien entendre à ses disciples pour Pâques. Et à Pâques, Enfantin se présente comme un nouveau Christ lui-même, qui vient de perdre sa mère et qui est morte du choléra. Il fait plonge le groupe dans une atmosphère de mort, de deuil. Et tout est fait pour composer, même s'il ne l'assume pas aussi directement que ça, explicitement, la figure d'un nouveau Christ. Notamment Gustave d'Estal, le disciple de Comte et le plus juif de tous ceux qui restent à l'époque autour de Saint-Simon, se réidentifie comme juif et en tant que tel qualifie Enfantin de nouveau Messie, lequel Enfantin se décharge un peu sur la mère qui l'attend. Hein, et qu'il projette, lui, à l'horizon, comme devant être la femme Messie, sans laquelle le Saint-Simonisme ne pourra pas véritablement s'annoncer, comme il le voudrait à l'ensemble des nations, comme la nouvelle religion. Donc, procès, pendant lequel Enfantin se présente devant ses juges, un peu comme le Christ devant les Juifs avant le... Voilà. Ensuite, il y a incarcération, donc il organise son propre silence, et après sa résurrection, d'une certaine manière, au moment où il est libéré, on sait qu'Enfantin est sorti de prison, mais il ne se montre pas, hein, il traverse un peu clandestinement la France pour s'embarquer pour l'Égypte, et on sait qu'Enfantin est parti en Égypte faire un acte quasi miraculeux, c'est-à-dire le percement de l'isthme de Suez, hein, et reprendre source dans l'Orient, qui est le berceau de toutes les religions, christianisme, judaïsme, islam, et on attend donc l'annonce de ce qui va se passer. Alors, j'ai été obligé de rappeler tout ça parce que c'était tout à fait indispensable pour redonner de la substance à mon sujet. Je passe rapidement sur le côté dogme du saint-simonisme parce que vous verrez le dogme ici en vitrine. C'est ce grand tableau qui a été affiché dans les rues de Paris, hein, et qui résume le dogme. En gros, le saint-simonisme se présente comme un panthéisme, que les disciples ont tendance à interpréter surtout comme une religion de l'humanité d'ailleurs. Hein. Le problème, mais pour Enfantin, le but de cette religion, c'est l'exploitation du globe par l'homme. Remplacer l'exploitation de l'homme par l'homme, ce qui est la loi du progrès, hein, depuis toujours, explique-t-il, depuis le christianisme au moins, l'humanité s'est engagée dans l'abolition de l'exploitation de l'homme par l'homme. Donc de l'esclavage au servage, au salariat, et il y aura l'association ensuite qui va permettre d'abolir l'exploitation de l'homme par l'homme, formule empruntée par Marx. Donc il veut remplacer cette exploitation de l'homme par l'homme par l'exploitation du globe. Et là, il y a l'idée d'une communion mystique avec le globe, avec le monde extérieur. Il y a donc tout un dogme, et je vous l'ai laissé entrepercevoir, il y a aussi un culte à Ménilmontant, on a fait des terrassements, enfin, on a refondé, recréé, sous la forme d'un théâtre de verdure, le temple de Jérusalem. Voilà, donc c'est un panthéisme. Mais en même temps, on parle un petit peu d'arianisme sur les bords, parce qu'on est conscient qu'Enfantin est tout de même un homme, hein, et donc que c'est une religion d'homme pour les hommes. Et par conséquent que la dimension humaine est très forte et qu'il n'y a plus de transcendance.
On parle aussi on peut parler aussi de jansénisme à certains égards, hein, du côté des Républicains en particulier, parce que Carnot, Hippolyte Carnot, est un lecteur assidu visiblement de l'abbé Grégoire, mais aussi de Théophile Entropie. Le propre fils du fondateur de la Théophile Entropie appartient au saint-simonisme, chemin du Pontès. Voilà. Et donc c'est une religion effectivement qui s'inscrit dans la continuité du christianisme, mais qui n'est pas le catholicisme, même s'il en prend beaucoup de formes, qui lui en prend toutes sortes de choses, il en prend d'ailleurs aussi à la maçonnerie, hein, et à la charbonnerie, qui n'est pas donc du tout la réforme, qui n'est pas judaïsme, mais qui intègre une bonne partie de la science du judaïsme allemand, peut-être même la figure de Moïse à travers Enfantin, parce que Enfantin est un théocrate. Hein, et donc la fusion du guide spirituel et du guide temporel est quelque chose qui a, me semble avoir rapport direct avec le judaïsme des disciples. Alors, est-ce qu'on y croyait, est-ce qu'on n'y croyait pas, hein? Eh bien, on y croyait. Les chefs eux-mêmes, visiblement, notamment Enfantin, se prennent tout à fait au jeu et parlent de Dieu couramment entre eux, hein, sans rire. Et les disciples, petit à petit, se mettent eux-mêmes à adhérer au saint-simonisme comme à une religion. D'où ce recueil de professions de foi. Il y en a à peu près une centaine, hein, mais en réalité, elles ne sont pas toutes là-dedans, il y en a qui sont ailleurs, spécialement recueillies. Je vous en donne un exemple, la lettre A, Félix Sanchez. Mes pères et mères, daignez ne pas rejeter ma prière et me reconnaître pour votre enfant. Combien je me trouverais heureux si vous vouliez bien m'admettre parmi les fidèles disciples de Saint-Simon. Je suis sincèrement convaincu que c'est la meilleure et la plus pure des religions parce que c'est celle du progrès et que le progrès ne peut consister que dans l'amélioration constante et progressive de la condition humaine. Je crois au seul Dieu de Saint-Simon parce qu'il se manifeste dans la vie, que l'humanité est en lui, et que rien ne se trouve en dehors de lui, d'où résulte le besoin que nous éprouvons tous de nous associer de plus en plus, etc., etc., que le chrétien, le juif, le mahométan, l'idéal viennent à nous à la suite de nos travaux apostoliques, etc. Vous voyez donc qu'il y a répétition de certaines formules, hein, Dieu, le panthéisme, on trouvera aussi quasiment toutes les formules qui se trouvent dans le frontispice des deux journaux officiels, l'organisateur et le globe, donc la fameuse formule plus ou moins apprise par cœur ou répétée, paraphrasée, toutes les institutions sociales doivent avoir pour but l'amélioration du sort physique, moral et intellectuel de la classe la plus nombreuse et la plus pauvre, à chacun selon sa capacité, à chaque capacité selon ses œuvres, égalité des sexes, abolition de tous les privilèges, hein. Toutes ces formules sont constamment répétées, plus ou moins paraphrasées, mais alors je m'adresse à quelques sociologues tout de même. Contrairement à l'idée que développait François Héran dans un fameux article sur les rites, hein, eh bien les formules ne sont pas fixées tout de même. La forme de la profession de foi, ce n'est pas une prière qu'on récite. Hein. Les saint-simoniens demandent à chacun de faire sa profession de foi. Et donc, chaque individu vient avec ses propres mots, sa propre orthographe, qui est quelquefois calamiteuse, sa propre histoire, sa propre insistance sur certains points, et formule une profession de foi saint-simonienne personnelle, individuelle. Hein. Il y a donc un effort et une prise en compte évidente pour respecter l'individu et l'amener à s'exprimer lui-même. Je vous donne un autre exemple. Un certain Armand, qui lui dit avoir été au bord du suicide, « J'allais en finir quand votre nom, ô mes pères, en me retirant de ma léthargie profonde, vint me rendre à la vie. Oui, ma nouvelle famille recevait l'expression de ma reconnaissance. Hein. » Ils disent tous que le saint-simonisme les sauve. Hein, c'est une religion, ils y croient, ils éprouvent d'abord des émotions très fortes et ça leur fait vivre une nouvelle vie. Et dans cette nouvelle vie, ils insistent beaucoup sur le fait qu'ils ne sont plus seuls
ils ne sont plus des individus isolés, ils appartiennent à une famille. Autre exemple. Aubert, qui appartient à l'enseignement des industriels, qui possède la carte numéro 484, parce qu'il y a un état civil saint-simonien, hein, qui est encore un peu l'état civil que tenait le clergé avant de s'agir, 1er août 1931, il habite Quai des Ormes, numéro 40, près le Pont-Marie. C'est-à-dire que c'est un voisin par rapport à l'arsenal. Pénétré de l'excellence de la doctrine de Saint-Simon, je désire vivement partager les travaux glorieux des membres de cette société. J'offre de me consacrer uniquement à la propagation de sa morale, persuadé qu'elle n'a pour but que le bonheur de l'espèce humaine. Il y a des adhésions familiales aussi. La famille Houry. Donc c'est un couple avec deux petites filles, et ils font parler leur fille. Un petit enfant vient vous demander pour ses parents et pour lui de l'admettre à votre religion sainte. Faible et timide, il ne sait qu'aimer et il vous aime, mes pères, mes mères, parce qu'on le lui a appris. Et de fait, il y a une quantité impressionnante d'adoption d'enfants. On a les enfants, on partage les enfants et on leur fait partager une éducation commune. C'est l'ancêtre de l'éducation laïque républicaine. Hein. Même les enfants des pères du Père suprême Bazar et les enfants des pères du collège devront être éduqués dans la même maison d'éducation que ceux qui viennent des maisons d'association des quartiers. Hein, ils assistent beaucoup. Alors, dans les professions de foi, il y en a une qui me paraît particulièrement intéressante, c'est celle de ceux qui ne veulent pas se retirer à Ménilmontant et qui prennent une autre voie. Il s'agit de Bouffard et de Lemonnier. Lemonnier sera célèbre par la suite parce que ce sera le fondateur du Ligue pour la paix, ce sera un dirigeant d'une sorte d'internationale bourgeoise sous le Second Empire, très laïque et très néo-cancienne. Que disent-ils ? Eh bien, ils ne veulent pas faire le sacrifice de leur position, de leur fortune, de leur famille, de leurs habitudes. Mais ils vont réunir leurs efforts, disent-ils, pour hâter la maturité de ce monde, hâter la maturité de ce monde. Pas des Saint-Simoniens, mais du monde, auquel Dieu a voulu qu'ils restassent mêlés comme un levain précieux. Hein, métaphore, bon, n'insiste pas. Nous et nos amis nous ferons paraître plusieurs fois par mois sous forme de bulletins et de circulaires une série non interrompue de publications. Nous allons, car nous sommes progressifs, parler un langage plus large, adresser aux hommes un appel qui puisse être entendu d'un plus grand nombre. Nous n'exigerons plus de profession de foi. Nous les ferons entrer dans un degré préparatoire. Le degré préparatoire, c'est aujourd'hui l'humanité entière. Hein, bon, moi, ça me fait toujours penser à Jaurès, lorsqu'il fonde l'humanité, à son éditorial, où il définit une philosophie de l'humanité. Mais aussi à Pierre Leroux, hein, qui fonde l'humanité. Et aussi à Auguste Comte, bien entendu. Nous répéterons souvent que si l'humanité a besoin de nous, nous n'avons point davantage la folle et impie prétention de nous passer d'elle. Et donc, quelle que soit sa position, c'est soit une fortune ou de famille, cultivateur, manufacturier, propriétaire, ingénieur, médecin, dans le négoce, dans le barreau, dans la presse, dans les salons, dans les cafés, tout homme qui prêchera l'association et la paix à la place de la concurrence et la guerre, la conciliation des parties, l'amélioration des pauvres sans atteinte portée aux riches, cet homme est avec nous et notre œuvre est la sienne. Donc la religion, elle est désormais partout, sans être évidemment nulle part. Hein. On rentre dans le monde, et ces deux-là sont les précurseurs de ce que vont faire tous les autres, y compris enfantins, rentrer dans le monde hein, et diffuser le saint-simonisme partout, dans les entreprises, dans les journaux, dans les cafés, dans la rue. Donc l'expérience se solde par, après l'échec d'une refondation religieuse, une sorte de resacralisation de toute la société, hein, mais qui ne s'avoue pas vraiment, est un peu clandestine. C'est une religion donc qui va s'emparer de l'ensemble de la société sans dire son nom et sans être reconnue comme telle véritablement. Alors, d'autres choisiront la voie de réessayer. Ce sera le cas d'Auguste Comte, ce sera le cas de Pierre Leroux, dont la République est une religion, hein, avec une trinité. Il refait la même chose, avec communauté, disciples, dogmes, exactement. Il le fait à Boussac et il le fera encore à Jersey, donc avec une certaine insistance. Hein, et pour lui, il n'y a pas de République si ça n'est pas une religion. C'est très clair. Mais d'autres, ce sera le cas de Meunier, laïciseront complètement
d'autres républicains, et ce sera le cas aussi des enfantiniens, laïciseront complètement leur pratique. Voilà. Ce qui, d'une certaine manière, m'oblige à une conclusion en suspens, hein, parce que, à la fois, le saint-simonisme a été une tentative, le saint-simonisme des saint-simoniens, a été une tentative de mettre en pratique l'idée du nouveau christianisme de Saint-Simon, hein, et de fonder à partir d'une secte, une église, une société modèle étendue à la terre entière, mais à la fois aussi, ça a été le galop d'essai d'un abandon total de toute forme sacerdotale, et même de toute forme de ritualisation dans la vie sociale. Voilà, donc c'est un laboratoire, je reprends votre mot que j'ai moi-même souvent utilisé à propos du saint-simonisme, un laboratoire de reconfiguration religieuse, mais dans lequel on trouve toutes les hypothèses, toutes les solutions expérimentées, pensées de la plus extrême à la plus large et à la plus noble. J'étais là. Bon, je ne vais pas essayer de présenter Philippe, donc je vous rappelle simplement brièvement qu'il est professeur à Paris 1 et directeur d'études à l'HESS et qu'il appartient au César. J'ai regardé ta bibliographie ce matin sur le site du Centre, ça fait quand même 12 pages de biblio, donc je vais m'attirer simplement en rappelant la place de tes travaux dans une anthropologie religieuse du monde. Devant vous, après l'exposé qui, je crois, était au fond des questions religieuses du saint-simonisme, un peu dans un regard extérieur, mais qui va être non seulement catholique, mais pontifical du fait de mes sources, la question des saint-simoniens, mais aussi, nous verrons, des fourriéristes, car la papauté, je vous le dis tout de suite, si elle confond un peu les deux, c'est plus intéressé aux fourriéristes que aux saint-simoniens. Devant l'index, comment démarrer? Je crois que le moins qu'on puisse en dire, c'est que Saint-Simon ne nourrissait pas une estime démesurée envers la papauté. Dans ce qui fut longtemps considéré comme son premier écrit, les lettres d'un habitant de Genève à ses contemporains, publiées vers 1802-1803, on peut lire sous sa plume cette révélation sans appel. La nuit dernière, j'ai entendu ces paroles. Rome renoncera à la prétention d'être le chef-lieu de mon Église. Le pape, les cardinaux, les évêques et les prêtres cesseront de parler en mon nom. L'homme rougira de l'impiété qu'il commet en chargeant de tels imprévoyants de parler en mon nom. Saint-Simon se situe sur une sorte de ligne continue de ce qu'il appelle, après Condorcet, l'histoire des progrès de l'esprit humain. Et il construit cette ligne à la fois dans le domaine de la morale, mais aussi de la religion, l'idée d'un progrès religieux étant bien sûr essentiel, de même que sa lecture de Lessing. Dans cette perspective, l'institution romaine lui apparaît comme une étape révolue dans le devenir du pouvoir spirituel. En 1808, l'année même de l'occupation de Rome par les armées napoléoniennes, il en retrace la parabole déclinante dans la partie historique de son introduction aux travaux historiques du XIXe siècle. C'est, dit-il, sous le pape Hildebrandt, c'est-à-dire Grégoire VII, que le clergé est arrivé au plus haut degré de puissance. Depuis cette époque, son pouvoir a commencé à diminuer. Sa chute n'a été rapide que depuis le XVe siècle. Machiavel a levé le rideau qui cachait les opérations du Sacré Collège. Il a donné l'explication du mécanisme de ces combinaisons politiques. Il a démontré que ce n'étaient point les principes enseignés par le clergé qui lui servaient à combiner les moyens de maintenir sa puissance. Il a constaté que le clergé n'était plus occupé que de ses propres intérêts et qu'il ne travaillait plus dans une direction utile au progrès de la science. Galilée, faisant application des idées de Copernic et de Kepler, a dit « la Terre tourne ». À ce mot, le Sacré Collège s'est armé contre les novateurs, le coup lui portait au cœur, il a réuni toutes ses forces pour le repousser. Depuis cette époque, la chute du clergé déiste s'est opérée avec une rapidité telle que les penseurs les plus médiocres peuvent enchaîner les événements qui ont précédé l'état d'agonie dans lequel il est entré.
Il est évident que Jésus et ses commentateurs n'avaient aucune idée claire du mécanisme de l'univers. Il a été également prouvé que le clergé dépositaire de la loi sacrée n'a pas su améliorer le dépôt qui lui avait été confié. Et l'on sait que dans son Nouveau Christianisme, son ultime écrit de 1825, qui est aussi, Philippe René le rappelait, l'année de sa mort, et qui coïncide aussi avec un événement spirituel majeur dont il semble absolument tout ignorer, c'est-à-dire l'année sainte du pape Léon XII, qui fut le seul jubilé du XIXe siècle. Saint-Simon, donc, en 1825, dresse contre le pape et le sacré collège des cardinaux un procès solennel en hérésie, le mot importe, au nom d'un nouveau christianisme dont le philosophe Henri Bouillet disait avec humour qu'il était en effet un christianisme très nouveau. Je rappelle les éléments de ce réquisitoire. Je fais sommation au pape qui se dit chrétien, qui prétend être infaillible, qui prend le titre de vicaire de Jésus-Christ, de répondre clairement et sans employer aucune locution mystique aux quatre accusations d'hérésie que je vais porter contre l'Église catholique. J'accuse le pape et son Église d'hérésie sous ce premier chef. L'enseignement que le clergé catholique donne aux laïcs est vicieux. Ils ne dirigent point leur conduite dans la voie du christianisme. Je les accuse de ne point posséder les connaissances qui les rendraient capables de diriger les fidèles dans la voie de leur salut. Je les accuse de donner une mauvaise éducation aux séminaristes et de ne point exiger de ceux auxquels ils accordent la prêtrise l'instruction qui leur serait nécessaire pour devenir de dignes pasteurs, des pasteurs capables de bien diriger les troupeaux qui doivent leur être confiés. J'accuse le pape de se conduire en hérétique sous ce troisième chef. Je l'accuse de tenir une conduite gouvernementale plus contraire aux intérêts moraux et physiques de la classe indigente de ses sujets temporels que celle d'aucun prince laïque envers ses sujets pauvres. J'accuse le pape et tous les cardinaux actuels, j'accuse tous les papes et tous les cardinaux qui ont existé depuis le XVe siècle d'être et d'avoir été hérétiques sous ce quatrième chef. Je les accuse d'abord d'avoir consenti à la formation de deux institutions diamétralement opposées à l'esprit du christianisme, celle de l'Inquisition et celle des Jésuites. Je les accuse ensuite d'avoir, depuis cette époque, accordé presque sans interruption la protection à ces deux institutions. Parmi les quatre chefs d'hérésie que je viens de mentionner, les deux derniers, il faut le dire, ne brillent pas par l'originalité, dans le contexte très nourri des polémiques religieuses de la Restauration. La dénonciation de l'Inquisition, depuis la publication du grand livre de Juan Antonio Llorente, ancien commissaire de l'Inquisition devenu lendemain de l'occupation française, son historien le plus informé et le plus véhément, est un registre essentiel de la littérature libérale. De même que l'anti-jésuitisme virulent des années 1820. Quant à la déploration de la misère de la campagne romaine sous le malgoverne des papes, c'est pour plus d'un siècle le leitmotiv du séjour des touristes du nord de l'Europe à Rome. Autrement intéressant, autrement novateur, est le grief essentiel opposé au clergé dans les deux premières chefs d'hérésie. Une formation et un enseignement étrangers à la finalité essentiellement sociale et philanthropique que Saint-Simon propose du christianisme, à savoir, je cite, l'amélioration la plus rapide possible de l'existence morale et physique de la classe pauvre, car, je cite encore, Jésus-Christ a promis la vie éternelle à ceux qui travailleraient avec le plus de zèle à l'accroissement du bien-être de la classe la plus nombreuse. C'est en fait l'invention du social qui, à l'aube de l'âge industriel, vient soudain bousculer sans ménagement les assurances restaurées des dogmes et des cultes, de la croyance et de la morale. Porter l'accusation sur le déficit de contenu cognitif du christianisme, le protestantisme sera à cet égard guère mieux traité que le catholicisme dans la seconde partie du texte, même si une fonction critique supérieure lui est reconnue, tient en partie du paradoxe, et il serait facile d'ironiser. Philippe Brunier rappelait tout à l'heure que les contemporains, notamment Rebaud, ne s'en priveront pas sur l'avenir, quand on sait que le Saint-Simoniste lui-même se constituera en Église, dont le père enfantin fera un instant figure de pape, ses disciples apôtres, c'est l'enseignement de révélation. Le modèle chrétien, et en particulier le prisme catholique, sont à l'évidence constitutifs des schèmes organisationnels, on n'ose pas dire ecclésiologiques, du Saint-Simonisme. Pourtant, c'est dans le nouveau christianisme un autre mot qui retient l'attention, moins employé,
le mot d'orthodoxie. Il est avancé incidemment à propos, je cite, de l'association catholique, apostolique et romaine, lorsque Saint-Simon relève qu'elle a, je cite encore, succédé immédiatement à l'association chrétienne, ce qui lui donne un certain vernis d'orthodoxie. Ou lorsqu'il assure que, je cite encore, le clergé romain a été orthodoxe jusqu'à l'avènement de Léon X au trône pontifical. Ou encore, lorsqu'il suggère cette notion à propos de la condamnation de Galilée par le Saint-Office. Il est surtout corroboré par défaut dans l'emploi répété de la catégorie, nous l'avons vu, de l'hérésie, et du chef d'hérésie, pour qualifier les manquements du catholicisme à ce que Saint-Simon considère comme le véritable esprit du christianisme. Orthodoxie, hérésie, ces mots importent, car ils ne prennent sens qu'en fonction de la construction d'un critère de vérité. Les déchirements futurs des disciples et des héritiers de Saint-Simon ne seront pas seulement des luttes d'influence ou des querelles de personnes, des différents schismes intervenus dans l'église saint-simonienne au début des années 30 du XIXe siècle, notamment entre partisans de Bazar et d'Enfantin, engagent la fidélité à l'héritage légué par leur maître et à l'authenticité d'une interprétation. Est-ce à dire, ce sera mon second point, que Saint-Simon était disposé, par ce que nos amis italiens appellent sa forma mentis, forme de raisonnement et de mentalité, à entendre les catégories à travers lesquelles son œuvre serait lue, analysée et condamnée à Rome par les censeurs de la congrégation de l'index. Je n'ai pas relevé à ce jour d'allusion à l'index romain dans les œuvres de Saint-Simon, mais il y a plus compétent que moi dans cette salle, et je suis preneur. Il est par contre tout à fait sensible à la césure, ou plutôt à la période critique, pour parler comme lui, qui s'ouvre en Europe au tournant des 15e et 16e siècles avec la Renaissance et la Réforme, et qui voit justement la naissance du dispositif de censure pontificale. Il discerne même très exactement, sans doute en écho à la récente biographie de l'historien britannique William Rothko, qui publie sa vie de Léon X en 1805, dans le pontificat de Léon X Médicis, j'en rappelle les dates, 1513-1521, c'est le pape du Concile Latran V et des placards de Luther sur les indulgences, le tournant à partir duquel le pape, dit-il, je cite encore, est devenu hérétique parce qu'il n'a plus cultivé que la théologie et qu'il s'est laissé surpasser par les laïcs dans les beaux-arts, dans les sciences exactes et sous le rapport de la capacité industrielle. Toujours est-il qu'il ne se trompe pas sur la conjoncture historique de l'apparition de la censure pontificale. La genèse de l'index romain, j'y viens, qu'il s'agisse du dispositif de contrôle, du catalogue des livres prohibés, ou de l'institution qui est en charge de la rédaction de ce catalogue, obéissent à une double logique réactive, par rapport à la diffusion de l'imprimé, d'une part, à la suite de son invention autour du timbre, et d'autre part, par rapport à la propagation de la réforme protestante. C'est, on le sait, le 5e concile du Latran, 1512-1517, qui par la bulle inter solicitudines du pape Léon X, justement, met en place la censure préventive des livres et la confie à l'autorité des évêques. C'est un autre pape, Paul IV Carafa, qui, face à l'expansion rapide des publications réformées, publie en 1559 le premier index librorum prohibitorum, l'alphabet, le catalogue des livres interdits. C'est enfin le pape Pie V Ghisilieri, qui est lui-même ancien commissaire du Saint-Office et grand inquisiteur, qui institue par deux constitutions apostoliques, en 1571 et 1572, la nouvelle congrégation de l'index, qui prolonge une commission du Concile de Trente de 1562, qui devait procéder à la révision périodique de l'index des livres prohibés. Enfin, on le sait, c'est le pape Sixte Quint qui consolide pour plus de trois siècles l'existence et le fonctionnement de la nouvelle congrégation cardinalis pro indice librorum prohibitorum et la place au 7e rang, ce qui n'est pas rien, parmi les 15 congrégations établies par la bulle Immensa et Eterni Dei qui réorganise l'état pontifical
et l'Église romaine en 480. Qu'en est-il de l'index au milieu des années 1830, quand apparaissent les censures des premiers socialistes français? Son organisation a été régie par une constitution du pape Benoît XIV, Lambertini, Sollicita Provida, qui date de 1753, et qui va demeurer en vigueur jusqu'à la fin du XIXe siècle. Au début du XIXe siècle, la congrégation de l'index est présidée par un cardinal-préfet. Elle comprend des cardinaux, un secrétaire qui est toujours choisi dans l'ordre de Saint-Dominique, un maître du Sacré Palais qui est le responsable de la censure des livres à Rome, et un ensemble de consulteurs séculiers ou réguliers. On y compte essentiellement des théologiens, des enseignants, parfois quelques canonistes. Cette congrégation a été réactivée à l'aube des années 1820 à l'initiative du futur pape Pie VIII, le cardinal Castiglioni. Elle publie des décrets de condamnation qu'on regroupe à intervalles réguliers, tous les 4 ou 5 ans, dans des éditions réactualisées de l'index. De la publication de premier index romain d'après le Concile de Trente par Clément VIII en 1596, jusqu'à la parution du dernier index en 1948, sous l'ordre de Pie XII, on estime qu'environ 3000 auteurs et 5000 ouvrages ont subi en 3 siècles et demi les foudres de l'index, comme dit la formule. Le XIXe siècle occupe une place non négligeable dans cet ensemble, environ 1300 volumes condamnés, notamment sous deux pontificats, Grégoire XVI, qui nous intéresse ici, de 1831-1846, et surtout sous son successeur, Pie IX, entre 1846 et 1878. Le nombre et le champ d'application de ces condamnations s'est ouvert, nous le verrons. Quant à leur répartition géographique, elle privilégie deux pays, l'Italie, qui n'en est pas encore un, et la France. Les deux tiers des travaux des auteurs condamnés sont italiens ou français. Derrière, l'Allemagne, la péninsule ibérique, l'Amérique latine, très loin derrière, le Royaume-Uni. Depuis le milieu du XVIIIe siècle, le Saint-Siège a, je ne dirais pas abandonné, mais en tout cas plus négligé ses ennemis traditionnels. Il n'est plus question des protestants passés à l'hérésie, mais les condamnations portaient sur les jansénistes, sur les gallicans, sur les quiétistes, sur les molinistes. À partir du second tiers du XVIIIe siècle, son attention se concentre sur un nouvel ennemi, la philosophie des Lumières. Les condamnations commencent avec Locke à partir de 1734 et 1737. La fable des abeilles de Bernard de Mandeville, texte essentiel du libéralisme économique, est ainsi inscrite à l'index en 1744. L'esprit des lois de Montesquieu en 1751. À partir du pontificat de Clément XIII, Rhetorico, c'est-à-dire entre 1758 et 1769, les condamnations portent sur les Lumières françaises, et notamment lorsqu'elles sont traduites. Elles s'accumulent, l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, 1758, Voltaire, 36 œuvres et opuscules entre 1752 et 1804, Rousseau, L'Émile en 1762, Le Contrat Social en 1766, Des déliés des peines de Descartes en 1766, d'autres œuvres encore, Guillaume, Hume, Dolbach, Calvestius, Lamétri, Morelli, Légion, Rénal, et aussi le best-seller, on l'oublie souvent, du XVIIIe siècle, l'an 2440, rêve s'il n'en fut jamais, de Louis-Sébastien Mercier. Le XIXe siècle, je parle ici du premier tiers du XIXe siècle, poursuit sur la même ligne. Il continue à censurer les gallicans attardés du type Tabarot, Langevinet, Montlosier, Dupin, Bordas du Moulin. Il continue également à censurer les jansénistes non repentis, notamment italiens, Tamburini, Solari, Sopranzi, Grégoire, ou encore Louis de Potter, le janséniste belge. Il continue dans la condamnation de ce qu'on appelle les Nouvelles Lumières, en particulier leur traducteur italien, Piero Giorgia. Mais on voit aussi condamner
dans la période qui précède immédiatement la condamnation des premiers socialistes français, l'esquisse d'un tableau historique des progrès humains de l'esprit humain de Condorcet, la guerre des dieux de Parny, le voyage en Italie de Lalande, la philosophie de Kant de Charles de Villers. On voit aussi condamner les rapports du physique et du moral de l'homme de Cabanis, ou plus évident, le citateur de Pigault-Lambroin. Volney, des suites de Tracy, Donou, Guinguenet, c'est-à-dire les idéologues, sont présents, de même que Bensham et son traité de législation civile et pénale, Llorente, que j'ai déjà cité, Benjamin Constant, dont il a été question tout à l'heure, avec de la religion, Stendhal pour quelques on a plus Florence. L'Italie, l'index nourrit aussi condamnations dans le domaine de la théologie et de l'ecclésiologie plus classique, avec la chorale monésienne, avec la mise à l'index de la critique de la raison pure de Kant en 1827, ou le nouveau système de chimie organique de Raspail en 1834, ce qui nous rapproche du socialisme, mais aussi, plus évidemment, la vie de Jésus de Strauss en 1838, le cours d'histoire de la philosophie de Victor Poulvin, le génie des religions de Quinet, les ouvrages de Vermillier qu'on a cités tout à l'heure. L'histoire, c'est nouveau et censuré. Par exemple, notamment, la vie de Léon X, de William Roscoe, à laquelle je faisais allusion, l'histoire de la Révolution française de Mignet, ou les mémoires de Luther, édités et traduits et mis à la portée d'un vaste public par Michelet, ou l'histoire des papes de Ranke, ou le Port-Royal de Sainte-Beuve, cité tout à l'heure. Le spiritisme entrera aussi dans ces condamnations. La nouveauté la plus remarquable, cependant, constitue l'introduction du champ de la fiction et du roman, qui sera une spécialité du XIXe siècle. La première condamnation de roman au XVIIIe siècle est assez précoce, mais très isolée, c'est la Paméla de Richardson, en 1744, dont le succès est européen. Mais à partir de la fin du début du XIXe siècle, les condamnations, les censures de romans se multiplient. Jacques le Fataliste de Diderot en 1804, la Nouvelle Héloïse en 1806, le Sentimental Journey de Stern en 1819, les dernières lettres de Jacopo Ortiz de Faustino en 1824. Dans les années 1830-1840, c'est-à-dire au moment même où les premiers socialistes vont être condamnés, on voit entrer en masse les ouvrages de littérature, Notre-Dame de Paris de Hugo, les chansons de Béranger, Las Verus de Quinet, De l'Allemagne et de la France de Heine, le Jocelyn et le Voyage en Orient de Lamartine, et sa sulfureuse chute d'un ange, mais aussi 12 œuvres de Georges Sand, la championne de catégorie des censures romaines au XIXe siècle, et les premiers Balzac, en particulier le Lys d'Angers et Lui-Lambert. C'est donc dans ce contexte, très brièvement résumé, mais j'y reviendrai peut-être, qu'apparaissent les censures portant sur les premiers courants socialistes français. Ils font leur apparition en 1835 et ils vont se concentrer, pour ce qui concerne l'œuvre de Saint-Simon et les œuvres des Saint-Simoniens, l'œuvre de Fourier et les œuvres des Fouriéristes, et nous allons voir que les autorités romaines confondent très largement ces productions et n'ont pas une idée très précise des séparations qui peuvent exister entre ces courants, entre 1835 et 1837. On est donc dans un espace de temps très limité. Ensuite, nous verrons apparaître, vous en avez la liste sur la petite feuille que je vous ai distribuée, des socialistes qui appartiennent plutôt au courant humanitaire des années 1840, l'abbé Constant, c'est-à-dire Eliphas Lévy, Lamennais, bien sûr, lui-même, Esquiros, Cabet, mais dans une œuvre religieuse, et puis il faut attendre la réaction des années 1850, pour voir apparaître Proudhon et Su, dont je vous rappelle qu'il est considéré comme un écrivain socialiste pendant la Seconde République. Une dernière condamnation, je ne l'ai pas encore étudiée à ma honte, est celle de 1859 sur l'ouvrage commode, en quelque sorte, que Enfantin publie
sciences de l'homme, philosophie religieuse, mémoire pour la science de l'homme, travail sur la gravitation universelle, où il mène ses propres œuvres à celle de Saint-Simon. C'est un travail que je dois poursuivre. Cet examen mobilise des personnalités assez importantes de l'index. Je ne m'étends pas, mais le secrétaire lui-même, le dominicain Dégola, s'en occupe, il s'occupe de procurer, et on va voir sans beaucoup de succès, la production saint-simonienne. Il n'y comprend rien. Les éditeurs des œuvres de Saint-Simon peuvent être assurés. Ceux de l'index n'avaient pas été très perspicaces et les auraient guère aidés. Mais on y voit aussi des personnalités importantes dont les noms sont complètement inconnus aujourd'hui. Un professeur de théologie morale au Collège romain, c'est-à-dire un des grands établissements de Rome, Pio Biggi, un ancien jésuite particulièrement important, qui est professeur d'éloquence, c'est-à-dire littéraire en quelque sorte de l'index, Luigi Rezzi, qui est un ancien jésuite sorti de la congrégation en 1818 lors de sa restauration, et puis un jésuite dont nous allons entendre parler assez souvent, Michele Domenico Cecchinelli, qui va devenir en quelque sorte le spécialiste du socialisme français dans ces années, puisque c'est à lui qu'a fait la plupart des censures. La réception romaine est relativement tardive. Elle est très tardive, nous le verrons, pour le saint-simonisme. C'est essentiellement à travers la presse française que les autorités romaines se sont informées de l'apparition de l'église saint-simonienne. Elle est beaucoup moins tardive pour le fouriérisme. Disons qu'il y a un degré de réactivité plus grand, mais nous verrons qu'il y a d'autres raisons aussi à l'intérêt des autorités de la censure romaine pour le fouriérisme. Il est intéressant à cet égard de consulter les agendas d'une académie très officieuse, elle était pleine de cardinaux et de prélats, qui s'appelait l'Accademia di Religione Cattolica, je ne traduis pas, et cette académie, qui est une sorte de chambre de réflexion officielle de la nouveauté intellectuelle en Europe, dans une ville de Rome qui est encore très provinciale par rapport au grand courant intellectuel européen, voit apparaître la question du premier socialisme. Séance du 23 mai 1835, le cardinal génois Giacomo Luigi Brignole vient évoquer l'idée de progrès en matière de religion, je cite, « erreur professée spécialement par les saint-simoniens ». Et cette question de l'idée d'un progrès en religion est bien sûr capitale dans la censure romaine, nous le verrons. Séance du 16 août 1838, un dominicain qui est aussi à l'index, Cipolletti, qui sera commissaire du Saint-Office, c'est-à-dire qui aura un rôle très important dans la censure du temple de Pie IX, condamne les erreurs du système d'association du genre humain des fourriers. Il y a donc une prise de conscience un peu tardive par rapport au saint-simonisme, plus réactive par rapport au fourriérisme, des nouveautés, je dirais, sociales et politiques de la pensée française et des périls théologiques et philosophiques que Rome y discerne. Venons-en maintenant à la censure des saint-simoniens. Les censeurs romains, et je vous prie de revenir à la petite fiche que j'ai fait circuler, ont raisonné, il faut bien le dire, sur un corpus extrêmement limité, puisque, vous le voyez, il y a la doctrine de Saint-Simon, et nous verrons dans un texte que je vais citer, qu'ils ne savent pas trop de quoi il s'agit. J'ai cité les éléments qui pourraient constituer ce texte. On n'en a pas un descriptif. Les censeurs romains sont assez vagues, alors que généralement ils donnent des éditions, là ils ne les donnent pas. Ça peut être le résumé d'Hippolyte Carnot, ça peut être les publications de 1829-1830. Je n'ai pas réussi encore, mais il faut que je prolonge ce travail, à bien discerner quel était le volume qu'ils avaient réellement entre les mains. Je vous rappelle que l'index a deux voies d'information, soit on lui envoie un livre, en se scandalisant que ce livre ne soit pas encore condamné,
il y a quelques lettres assez amusantes de ce point de vue-là, soit il vient réclamer par son réseau de libraires des livres qui lui sont amenés. C'est comme cela que les livres de Georges Sand sont plus ou moins condamnés selon ce que les libraires avaient en stock. Vous voyez qu'ensuite, nous avons trois textes extrêmement courts, deux textes d'enfantin, la lettre du père à Charles Duverrier sur la vie éternelle, juin 1830, et les paroles du père à la cour d'assises, 8 avril 1833, qui ont dû être procurées, je suppose, à Paris, et un ouvrage d'Isaac Perret, Religion saint-simonienne. Curieusement, il s'agit d'un ouvrage qui ne porte pas sur des contenus religieux, alors qu'il en existe. Leçon sur l'industrie et les finances prononcée à la salle de l'Athénée, suivie d'un projet de banque. Voilà ce sur quoi, ce à partir de quoi, Rome a raisonné sur le saint-simonisme. Alors il ne faut pas s'en étonner, car le français, je vous rappelle, la langue véhiculaire de l'ensemble des intellectuels et des élites italiennes, encore très longtemps au XIXe siècle, il faudra vraiment l'unité italienne pour que le français perde ce statut, et les élites romaines lisent bien sûr très couramment non seulement le français, mais la presse française et les revues françaises. Donc l'information de Rome est passée par d'autres canaux que ces livres. Mais ça pose un problème au censeur, car le censeur est censé, justement, travailler sur un livre et un seul, et donner l'édition, et en tirer les conclusions en termes d'orthodoxie ou d'hérésie de cet ouvrage. Voilà l'embarras de Pio B, qui, ce prêtre professeur au Collège romain, que le secrétaire charge d'établir un rapport, une relazione, dit-on, sur l'ouvrage intitulé « Doctrine de Saint-Simon ». Il va lui consacrer un traitement assez superficiel, et même s'il faudrait que je revienne sur ce texte, il constitue essentiellement une petite introduction et une suite non commentée d'extraits de l'œuvre. Que dit-il dans son introduction ? On a dénoncé à cette sacrée congrégation, le S est toujours en majuscule avec un point, un petit livre, une operetta en italien, intitulé « Doctrine de Saint-Simon ». Et l'on en a rapporté un petit volume au révérend père secrétaire, peut-être à ce résumé de Carnot, je n'en sais rien. Chargé de l'examiner, j'ai relevé que ce volume ne contenait qu'une infime partie de la doctrine de Saint-Simon et que manquait un ou deux volumes pour que l'ouvrage soit au complet. Ceci posé et éclairci avec le père secrétaire, on en a conclu que, bien que la doctrine de Saint-Simon soit trop célèbre, en italien famigerata, qui est un peu négatif, non seulement en France, mais ailleurs en Europe et dans les autres parties du monde, donc on est après l'expansion de la vague intellectuelle du saint-simonisme en Europe, et que le dit volume contienne de nombreuses et grosses erreurs, il n'est toutefois pas conforme aux règles de cette sacrée congrégation d'aller plus avant sans avoir sous les yeux l'ouvrage en son entier. D'autant plus qu'il ressort du premier volume lui-même qu'il sera traité longuement et expressément de la religion saint-simonienne dans les volumes suivants. En effectuant cependant les recherches opportunes, on a pu se procurer dernièrement deux autres volumes dont on peut extraire la somme de la doctrine religieuse de Saint-Simon et de son école. Mais l'exiguïté du délai qui a précédé la convocation de cette sacrée congrégation m'a empêché de faire un exposé convenable de tout l'ouvrage et des erreurs qu'il contient. J'ai donc pris le parti de me limiter à transcrire de tous les volumes quelques extraits qui servent à démontrer, pour ainsi dire légalement, le caractère erroné et monstrueux, en italien c'est beaucoup plus joli, l'erroneità et la mostruosità, des principes et des maximes de cette nouvelle secte, par secte on entend bien sûr le contraire d'une église, que la renommée a déjà fait connaître et que l'opinion publique, très exactement il giudizio pubblico, a condamné. Il appartiendra ensuite à la sagesse de vos évidences révérendissimes, car toutes les relations sont présentés comme des discours aux cardinaux, il appartiendra ensuite à la sagesse de vos éminences de juger si, après mon bref rapport, il faut procéder à la condamnation de l'ouvrage
ou s'il faut remettre le jugement à un examen plus poussé. Aucun doute, l'ouvrage sera condamné tout de suite. Quant aux trois opuscules saint-simoniens, examinés en 1837, ils sont confiés à ce jésuite, Michele Domenico Zecchinelli, que nous allons retrouver souvent. Ses commentaires sont également très brefs, jamais plus d'un feuillet, alors qu'une bonne censure, si je puis dire, fait en général entre 8 et 15 feuillets. Comme si la cause de la condamnation du saint-simonisme était désormais entendue en 1837. Que dit Zecchinelli ? Il me semble que le titre seul, religion saint-simonienne, qu'il porte en frontispice ce petit livre, suffit à pouvoir mettre en garde tout bon catholique qui le lit et à lui faire craindre d'y trouver des choses inconciliables avec la doctrine évangélique. De fait, on s'aperçoit bien vite que cet ouvrage est rédigé dans le même esprit que tous ceux qui traitent de cette prétendue religion saint-simonienne, et que, bien qu'on ne parle que d'industrie et de finances, c'est, je vous rappelle, l'opuscule d'Isaac Perret sur l'industrie, les finances et la banque, bien qu'on n'y parle que d'industrie et de finances, le dessin de l'ouvrage n'en est pas moins, malheureusement, plus général, en ce qu'il tend à promouvoir le but de l'Association Générale Saint-Simonienne, proposé par Fourier et soutenu par d'autres. Alors on retrouve cette confusion tout à fait typique à Rome entre le mouvement sociétaire et le mouvement saint-simonien. Il apparaîtra clairement que le système qui est exposé dans ce petit livre est complètement opposé à la doctrine de Jésus-Christ et donc digne d'être proscrit. Quant à l'examen très rapide, il faut bien le dire, de la lettre du Père à Charles Duverrier sur la vie éternelle, qui aurait pu être intéressant, ou les réflexions sur les paroles du Père à la cour d'assises en 1833, on peut lire toujours sous la plume du Père Zecchinelli, il y a là beaucoup de propositions dangereuses, pericoloses, et tout à fait propres à insinuer un concept faux de la vie éternelle, ce qui évidemment d'un point de vue catholique ne vous étonnera pas. Quant à la parole du Père à la cour d'assises, il la définit comme une devinette, une énigme, une allégorie ironique, ou je ne sais pas, qu'on l'appelle comme on veut, et toujours une idée de mépris de la religion catholique, de ses ministres et de tous ceux qui la propagent, et une apologie de l'association Saint-Simon. Voilà le peu, même s'il faudrait sans doute revenir sur ces textes, que l'on peut trouver sur le saint-simonisme, tardivement, il faut bien le dire, brièvement. Le saint-simonisme a été un peu expédié à Rome, c'est l'impression que j'en ai retenu. Ce qui a fasciné les autorités romaines, c'est Fourier. Fourier, considéré comme un disciple de Saint-Simon, car ici, les confusions sont extrêmes et la distinction n'est pas faite, visiblement. L'opuscule où Fourier dénonce très différente de sa propre doctrine, la doctrine de Saint-Simon, n'est pas parvenue à Rome. Cette confusion, elle est complètement établie lorsque Zecchinelli commence à examiner l'architectonique de Victor Considérant en 1837, les considérations sociales sur l'architectonique, il dit cet opuscule n'est rien d'autre que un autre ouvrage intitulé Religion saint-simonienne. Il est composé dans le même esprit, il tend au même but, c'est-à-dire de former cette association universelle saint-simonienne. Et là où l'un des petits livres ne parle que de finances, il propose le crédit personnel pour aider l'industrie et faire un seul corps de tous les artisans et de tous les ouvriers distingués en diverses classes d'agriculteurs, de mécaniciens, de commerçants, etc. C'est une association saint-simonienne, c'est une utopie saint-simonienne, ajoute-t-il, et il inclut le phalanstère qu'il écrit très de façon amusante, phalanstère, F-A-L-A-N-G. Lorsqu'il traite d'un autre disciple de Fourier, Miron, dit Virtomnus, dans son ouvrage qui s'intitule Les nouvelles transactions sociales, on retrouve la même orientation.
Ce qui frappe, c'est la stupeur et l'effarement des autorités romaines lorsqu'ils accèdent à ces textes. Ils sont extrêmement, extrêmement surpris. Il faut avouer, c'est qu'il est dit à propos du Nouveau Monde de Fourier lui-même, que l'auteur tient parole et dépasse toutes les attentes. Il annonce un nouveau monde. Dans son œuvre, il en crée 8 ou 9 qui se succèdent les uns aux autres et croissent en perfection. Il en dit la même chose du texte de Muiron, un projet ridicule, chimérique, étrange, gigantesque, qui ne tend rien d'autre que de réformer la société tout entière. La cosmogonie de Fourier, la création de l'homme, je passe un peu vite, la création continuée des animaux et des hommes sur plusieurs planètes, la succession des périodes de l'humanité, la continuité du vivant, les allusions à la métempsychose, tout cela trouble énormément les consulteurs romains. Mais ce qui les passionne le plus, c'est bien sûr la théorie des passions et la théorie de l'attraction chez Fourier. Je passe un peu rapidement, mais il y a pour eux une sorte de renversement de toutes les valeurs, puisque les passions deviennent en quelque sorte marquées d'un mode positif dans la construction du phalanstère. On s'indigne bien sûr de l'ordre des enfants, on s'indigne qu'on puisse justifier leur tendance naturelle à la malpropreté, à l'orgueil, à l'impudeur et à l'insubordination, et en faire, par un renversement bien connu dans l'œuvre de Fourier, une construction positive de l'harmonie. On s'indigne bien sûr de l'organisation du corps des jeunes filles, des donzelles, sous forme de vestales, on s'indigne des repas qu'elles doivent prendre ensemble. On s'indigne surtout d'un renversement total des valeurs qui va mettre la félicité sur Terre et non plus dans un au-delà. C'est un système absurde, impie, charnel, diabolique, qui limite tout à la vie présente, met les hommes en désespoir de leur bien futur auquel ils sont destinés dans le ciel, afin qu'ils puissent sans frein s'abandonner au feu de toutes leurs passions. Ce fou qui s'érige en juge des sentences de l'unique maître du monde, Jésus-Christ, nous dit de substituer la morale par une autre morale. Je laisse, parce que la présidente m'incite à être un peu plus rapide, un certain nombre de réflexions sur la morale et la religion qui vont être dans le même sens, d'une sorte de monstruosité, d'une sorte d'imposture, d'une sorte de lecture à rebours du catholicisme, une inscription aussi dans des hérésies passées qui est assez intéressante. Une indignation contre l'utilisation des références scripturaires dans une logique qui n'est plus chrétienne. Il y a une condamnation extrêmement nette de l'ensemble de ces textes. J'en viens à ma conclusion. Cette lecture de Saint-Simon d'abord, rapidement, de Fourier, beaucoup plus longue et beaucoup plus articulée ensuite, est une lecture de théologiens à travers des catégories de vérité. Hérésie, orthodoxie. La perspection de la nouveauté du discours social, de cette invention du social par la première pensée socialiste française est très imparfaite. Elle est atténuée par une sorte de sentiment de stupeur devant la nouveauté, la radicalité de la proposition socialiste. Elle est aussi beaucoup influencée par le prisme de la condamnation précédente des Lumières, des secondes Lumières. Ce qui est peut-être plus original, c'est le scandale scripturaire, c'est-à-dire l'inquiétude devant la réinterprétation de la parole divine comme une sorte de détournement de sens. Voilà ce que dit encore Zecchinelli du livre de Clarisse Vigoureux. Clarisse Vigoureux, c'est la belle-mère de Considérant, Parole de Providence. L'auteur, dit-il, abuse étrangement des paroles de la Sainte Écriture.
et fait consister le devoir de chercher le royaume de Dieu et sa justice dans la recherche de cette loi d'association que l'auteur appelle loi des destinées universelles. Il abuse aussi de cette parole de Jésus-Christ, quiconque voudra être le premier d'entre vous doit être le serviteur de tous. L'auteur écrit, le plus grand parmi les hommes, celui qui s'est fait le serviteur de tous, c'est celui-là qui a cherché la loi puissante, la loi qui doit établir le règne de Dieu et sa justice sur terre, et il entend que le règne de Dieu soit la loi de l'association et que son Messie soit Fourier. Lamennais, dans les discussions critiques de 1840, dira d'ailleurs, la citation a été donnée par Henri Lubac, comme l'insecte qui dépose ses œufs dans le fruit dont il a percé l'écorce, le ver saint-simonien, essayant de pénétrer au-dedans du christianisme, en a, sous l'une de ses transformations, hypocritement pris le nom, et en apparence adopté le dogme qui l'enveloppe dans les commentaires d'une philosophie pleine d'équivoques et d'obscures réticences. Il s'est dit catholique parce qu'il trouvait dans le catholicisme une hiérarchie à l'aide de laquelle il espérait réaliser le rêve insensé et funeste de sa doctrine économique, l'abolition de la propriété, on est dans le Lamennais des années 30, hein, et conséquemment de la liberté individuelle, établissant une société passivement soumise au spirituel et au temporel, à un corps sacerdotal investi d'une puissance absolue. Là, les références sur le récit de la Genèse, sur la théologie trinitaire, sur la morale naturelle, sur la théorie des passions, sur les visées temporelles, sur la destruction de la famille, nourrissent le discours romain. Mais au hasard de quelques expressions, on discerne aussi une première sensibilisation. Jean-Baptiste Amadieu, qui a travaillé longuement sur l'index, dit aussi que l'index, c'est une forme de lecture, car avant la censure, il faut lire. On y lit une certaine sensibilité à la nouveauté du propos, même si elle est infime. Parlant du phalanstère, d'Echinelli écrit, l'auteur voudrait faire du monde entier un monastère, mais tout à l'envers, ma tutto a rovescio en italien. Et dans sa critique de Clarisse Vigoureux, il note qu'on lit dans sa critique, qu'il condamne sans aucune nuance, un desiderio di cose nuove, un désir de choses nouvelles. Et je crois que même à Rome, on a compris qu'il se passait quelque chose du côté de Saint-Simon et de Fourier. Je vous remercie.